J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va être quand même assez courte, mais j'avais décidé de vous la poster. Et après votre avis, vous m'avez dit que oui, vous la vouliez. Donc j'ai fait une séance de longe avec Kinus où j'ai fait sauter quelques obstacles très bas, juste pour qu'il apprenne que on n'est pas obligé de sauter un obstacle en étant en face, ou puis qu'on peut en fait tourner, qu'on peut le faire en longe, qu'on peut avoir une barre au sol après, ou bref. Plein de choses, vous allez voir. La vidéo est très courte, enfin très courte, voilà, je me comprends. Mais il a vraiment été top dans cette séance, donc j'ai pas voulu travailler super long, mais vous avez quand même voulu la vidéo, donc bah voilà, je vous la laisse. Et du coup, je vous laisse vous regarder. Je voulais aussi vous remercier pour les abonnés qui ont explosé depuis la dernière vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. C'était une séance quand même assez courte, mais Kinus a quand même bien travaillé. Le souci, enfin, c'était pas vraiment un souci, c'est juste que le terrain glissait encore un petit peu. Bon, voilà, il a quand même bien travaillé. Et aussi, je ne voulais pas le faire sauter extrêmement haut. Je voulais juste qu'il apprenne, qu'il puisse sauter en fait en longe, parce qu'il n'avait jamais sauté en longe, il a toujours sauté en liberté. Et aussi, voilà, j'ai utilisé un peu tout, des sauts, tout ça, pour lui apprendre qu'il n'y a pas que les chandeliers qui peuvent sauter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à vendredi prochain.